chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'ai commandé sur AliExpress. En sachant que pour commander sur AliExpress, il faut plus ou moins 3 semaines avant que l'article arrive. Et l'avantage, c'est que c'est vraiment à petit prix et de bonne qualité. Sauf qu'il faut quand même regarder les commentaires pour être sûr du tissu, de la qualité. Et alors, pour les tailles, voir s'il faut prendre une taille en dessous, une taille au-dessus, ou si c'est la bonne taille. Donc, on va commencer par le premier article. Donc, le premier article, c'est un t-shirt qu'on voit un peu assez souvent, je trouve, sur Insta, ou avant, au moins. Et celui-ci, c'est une taille S, qui a coûté seulement 3,67€. Franchement, c'est donné. L'article suivant, c'est un pull que je kiffe trop. Il est trop beau, je trouve. Et il y a une capuche juste derrière. Et ce qui était bien avec cet article-là, c'est qu'on pouvait choisir nos couleurs. Donc, soit mettre le blanc là, soit le noir, le rouge, et inversement. Donc, ceci, c'est vraiment super bien. Il est assez fin, donc en été, je pense que je pourrais quand même le porter quand il fait un peu plus frais. C'est une taille S, et il était à 11,16€. Donc, franchement, ça va. Le prochain, c'est un body. Vraiment très mignon, une taille S aussi, en dentelle, et celui-ci à côté 6,24€, et franchement, il est super beau, j'espère que porté, ce serait nickel. Je vous ferai sûrement des photos juste à côté, pour voir un peu la différence entre la photo sur AliExpress et la photo que je ferai. Et évidemment, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Le suivant, c'est une combi short lignée, noir et blanc. Celui-là, j'ai vraiment accroché. Mais le problème ici, c'est qu'il est vraiment fort transparent. Donc j'espère que je vais trouver une solution pour qu'on voit moins la transparence. Pour qu'il soit moins transparent tout court. Donc franchement, ça reste à voir pour celui-ci. Il a coûté 9,81€ et toujours en taille S. Alors, celui-ci, c'est une combi pantalon fleuri, bleu foncé, mais sur la vidéo, ça fait un peu plus clair. Et derrière, c'est un peu croisé. J'espère que ça ira. Ça reste à tester. Alors, le suivant, il ressemble un peu à la précédente parce qu'il est aussi fleuri, bleu foncé, et franchement il est super beau. En dessous c'est un peu croisé, et alors j'espère qu'il est pas trop court, parce que vu comme ça, ça m'a l'air quand même un peu court. Alors, pour les deux derniers articles, c'est des pantalons. J'ai jamais commandé sur AliExpress parce que j'avais peur des tailles et tout ça, mais j'ai quand même regardé les commentaires, et pour celui-ci, on m'a dit de prendre une taille au-dessus, donc j'ai pris M. C'est un basique noir, taille haute. Et alors ici, au niveau des genoux, on a des petits trous. J'espère que la taille conviendra. Et pour le dernier, alors, c'est un pantalon fluide, comme ceci. Donc on voit un peu assez souvent partout, avec des lignes rouge. Et voici pour le dernier article. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'étais quand même assez contente du résultat. Maintenant, il faut voir porter. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Juste une petite seconde. À chaque fin de mes vidéos, je vous mettrai une citation du jour. Bisous.